What's up, mes pépites de chocolat? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un putain de plaisir et vous allez comprendre pourquoi je suis autant heureux de recevoir ce gros colis. Donc, j'ai ouvert pour savoir s'il y avait tout. Donc, si vous êtes sur le groupe Facebook Réception du jour, vous devriez savoir que j'ai eu un énorme souci avec ma commande normalement d'anniversaire que j'avais commandé le 28 avril et que je reçois que maintenant le 17 mai. Donc, oui, il y a pratiquement un mois entre la commande et la réception de ce colis-là. C'est un peu chaud quand même. Je vous avouerai que j'ai été très remonté contre la boutique officielle et Colissimo. J'ai appelé sans arrêt tous les jours Colissimo, la boutique officielle. Même eux, ils ne savaient même pas. Enfin, je vous expliquerai tout ça à la fin de vidéo. Il y aura au moins 5 minutes dédiées à l'explication et un peu. Comment dire, comment je vais dire ça? Ils vont s'en prendre plein la gueule, sincèrement. Et je vais tout faire pour qu'ils le voient, parce que c'était vraiment pas normal. Et je suis très mécontent du suivi, que ce soit pour Colissimo et la boutique officielle. Ils n'avaient aucunement le même suivi de commande que le mien. Et ça, c'est inadmissible. Je ne savais même pas où était mon colis. Il était deux jours d'affilée par chez moi. Il est retourné chez eux. Enfin bref, je vous dirai ça plus tard. Donc aujourd'hui, les pépites de chocolat, je vais pas essayer les vêtements. Je vais juste vous les montrer, vous présenter un peu comment c'est au niveau des détails, etc. etc. Et dans une vidéo qui se passera peut-être 2 à 3 semaines plus tard, je vous montrerai comment les porter. Où ça se trouve. Plutôt que de faire ça, je vais peut-être plutôt faire un lookbook avec cette commande-là, qu'avec cette commande-là et que ces vêtements-là. Donc ça serait peut-être même un petit peu mieux. Et puis bon, on verra par la suite. De toute façon, je verrai comment je vais gérer tout ça. Bref, donc on va passer tout de suite à Clemento, la magicienne. Et voilà mes pépites de chocolat. Donc premier objet, premier, on va dire, vêtement entre guillemets, petite ca casquette, je vais dire caquette, petite casquette Von Dutch, Vicky kaki rose. Donc comme vous pouvez voir, alors je suis étonné de la matière, parce que c'est une matière assez flashy, dans le sens où c'est voyant. En fait, on dirait les canapés de vieux. Ça fait vraiment bizarre, je sais pas si vous voyez bien. Et elle est rose aussi en dessous, parce que j'ai pris un vêtement qui va être rose aussi plus tard. Et je trouve que les casquettes Von Dutch, elles sont vraiment stylées de ouf. Elles sont à la fois old school, donc celle-là, elle est vraiment, je trouve qu'elle est old school. Je sais pas si Ewen serait d'accord avec moi, mais je pense que oui, déjà, le rose et tout le tralala, c'est son délire. C'est vraiment côté old school, je trouve. Et voilà, franchement, j'apprécie vraiment bien la casquette. Je pensais pas que ça allait être de cette matière-là. D'ailleurs, il ne marque même pas c'est de quelle matière. Donc voilà, donc la casquette en elle-même, elle coûte 24 euros. Voilà, c'est le prix d'une casquette Truckers. Voilà. Donc si vous voulez comparer avec celle de Six Dune, un peu plus large, un peu plus plate au niveau du crâne, mais sinon c'est les mêmes. Donc voilà, ça m'en fait deux et je suis content. Je suis content de l'avoir. Franchement, elle est plutôt pas mal. Clemento le magicien. Clemento le magicien. Clemento le magicien. Et voilà, deuxième objet. Donc c'est un bracelet de la marque. Alors attendez, c'est de quelle marque déjà ça? Ça, c'est de la marque Icon Brand. Donc c'est une marque qui est vraiment beaucoup. Mise en avant chez la boutique officielle au niveau des bijoux en ce moment même, et j'ai vraiment apprécié celui-ci. Je sais pas trop pourquoi, je trouve qu'il est vraiment stylé. Il est lâche au niveau du poignet et tout, il est vraiment pas serré, et les détails sont vraiment assez sympathiques. Donc on peut voir que ici là, vous avez un petit JB qui est marqué, non, IB pardon, et là vous avez la fermeture, donc, qui est ici, qui fait une sorte de pince en fait, un petit fermoir de base qui est vraiment pas mal, avec une petite chaîne en argent. Par contre, la finition de l'argent est pas terrible. On voit que c'est de la camelote et pourtant c'est assez cher. Je l'ai payé 19 euros si je me souviens bien. Je regarde sur la feuille. Icon Brand Bracelet Chine Argent, parce qu'il y a plusieurs Icon Brand en fait du même style qui se ressemblent pratiquement, mais ça a différents noms. Celui-là, c'est le Chine Argent.
Je vous mettrai tous les noms dans la description, peut-être pas les liens, parce qu'il y a déjà des articles en fait qui sont en rupture de stock. Ils n'existent même plus sur la boutique officielle, donc je pourrais pas vous les mettre, je suis désolé. En tout, pour toute la commande, j'en ai eu pour 171€, et encore, j'ai eu une réduction parce que bah, je suis youtubeur vêtements, et comme je leur fais assez de pubs, bah, voilà, ils m'ont offert une petite réduction de 7€ quand même, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour le petit bijou. Franchement, j'aime bien. Bon, j'ai un petit poignet, donc c'est un peu chiant, mais ça va pas non plus me déranger de ouf. Après, je pense que je peux gérer pour que ce soit plus près, par exemple, que ça pende et que je l'attache ici. Donc non, franchement, ça va être cool. On va passer à un autre, à un t-shirt cette fois-ci, un débardeur. Je l'ai. Je voulais. Ah, attendez, excusez-moi. Petit moment habillage. Je voulais par-dessous. Je voulais par-dessus tout un débardeur musculation et j'en ai enfin trouvé un. Par contre, la texture ne me plaît pas du tout et ça, c'est super bête. Je pensais pas que ça allait être cette matière là, je pensais que ça aurait été plus stretch que ça, donc plus collé que ça. Donc c'est de la marque Venom, je crois. Attendez, je vais relire. Venom, ouais. Donc voilà, c'est pour vraiment les sportifs et tout. Donc franchement, j'ai trouvé la marque assez stylée. C'est venu d'un coup sur la boutique officielle et ça tombait bien. Et il a été en 2 jours de temps en rupture de stock. Donc dès qu'il a été mis, voilà. Donc je l'ai pris en taille M, celui-ci. Donc celui-là, c'est Venom V-Ray Tank Top. Donc couleur noire. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer de ouf. Donc celui-là, il sera pas forcément dans le lookbook. Hein, donc peut-être qu'à la fin de la vidéo, celui-là, je vous le testerai au moins pour vous montrer comment ça donne. Et puis voilà, franchement, je suis super content. Il est super classe. Il a des beaux détails et tout. Après, c'est vrai que ça fait un peu Teletubbies, la couleur rouge comme ça, assez flashy là sur les bordures et tout. Franchement, enfin, ça c'est un peu dommage. Je pensais qu'ils auraient fait une couleur un peu plus terne au niveau du rouge pour que ça fasse vraiment plus sérieux. Enfin, parce que là, ça fait pas très très sérieux niveau musculaire. Enfin, dans le milieu de la musculation, tu te ramènes avec ça, tu passes un petit peu pour un Teletubbies, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je ressens si je le porte. Après, je pense que si t'es bien bronzé, ça va carrément mieux passer. Là, c'est parce que je suis tout blanc comme un cul, donc du coup, ça, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, derrière aussi, c'est marqué Venom. Hop, et si vous voulez vraiment les avoir, c'est sur venom.com, tout simplement. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Je vous donne un code promo, donc voilà, 32 mai, donc voilà, c'est cadeau. Short de chez Six Dune, et oui, j'ai beaucoup commandé aussi chez Six Dune, je crois, là, j'ai commandé 2 affaires, donc celui-là en fait partie. Donc voilà, ça, c'est un bleu, moi, je trouve que c'est un bleu corail un petit peu, c'est, je sais pas, c'était marqué vert sur le... la boutique officielle, donc pour moi je trouve que c'est bleu corail plutôt, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc voilà, manche assez, enfin manche courte et oversize arrondi vers la fin, donc ce qui me plaît, je l'ai pris en taille M pour que ça fasse vraiment j'aime bien quand ça fait vraiment effet pétale comme mon débardeur blanc de Six June. Donc voilà, je vous montre, voilà comment ça donne, donc plutôt cool. Franchement, j'ai hâte de l'essayer. Donc celui-là, il m'a coûté 19€. Le t-shirt, le débardeur Venom, il m'a coûté, 22€ apparemment. Donc voilà. Donc celui-là, c'est 19€. Il est plutôt cool. Pour aller dessus. Alors celui-là, je le fais direct après. Hop. Donc pour aller dessus, et c'est une couleur qui se fait extrêmement beaucoup en ce moment. Vous me demandez pas pourquoi, j'en sais strictement rien. Et là, je suis déçu direct. Pas de la couleur, hein. C'est la couleur camel. Donc voilà, donc j'ai pris Six Dune. C'est la couleur camel et la texture, la matière, c'est pas du tout ce qui est montré sur la boutique officielle, quoi. C'est pas du tout ça. Ou soit ils savent pas prendre de photos, je sais pas. Alors là, vous avez un petit effet oversize avec un petit trou sur les côtés, enfin une petite coupure sur les côtés, vite fait, vraiment. Ça fait un peu à la VNCTH, vraiment chelou.
Et il est super léger. Il est super léger. Moi, je pensais que ça allait être un t-shirt un peu plus mastoc au niveau de la matière. Mais en fait, non, pas du tout. Donc, celui-là, il m'a coûté 29 euros. Ouais. Et du coup, bah, je sais pas si je vais pouvoir mettre le bleu ciel juste en dessous. Parce que c'est ce que je voulais faire, en fait. Celui-là, qui est les manches qui arrivent au moins ici. Pour que ça donne vraiment un bon côté street américain du moment. Et le bleu ciel en dessous qui fasse un bon arrondi. Et celui-là qui coupe vraiment à la bonne longueur au niveau du ventre, en fait, bah, qui s'arrête comme un t-shirt basique. Et parce que c'est ce qui m'a été montré un peu. C'était un petit t-shirt et tout. Et pourtant, c'est du S. Et c'est ça le problème. C'est que la largeur est immense. Donc c'est peut-être fait exprès pour que justement les manches ils tombent un peu plus sur le côté. Mais bon, on verra bien, j'essaierai ça tout à l'heure et puis je vous ferai ça dans une autre vidéo que j'enchaînerai peut-être après celle-ci pour éviter de prendre plusieurs jours. Et donc, bah voilà, il me reste un dernier truc à vous montrer et ça c'est le plus gros, c'est celui que j'attendais vraiment le plus. C'est une couleur aussi qui revient à la mode et c'est une couleur qui est ici présente sur la casquette, c'est le rose et c'est vraiment un vêtement qui va aller avec cette casquette-là. Donc connaissez-vous la marque VIP Clothing? Alors, j'avais déjà un vêtement de VIP Clothing qui d'ailleurs ne me plaît plus et que j'aimerais bien vendre. C'est la veste à carreaux que j'avais fait précédemment dans une vidéo avec ma soeur que je vous l'avais dit. J'ai mis même que je voulais un prix à débattre. Donc n'hésitez pas si vous voulez donner un prix, etc. Allez voir l'ancienne vidéo pour vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Eh bien, c'est sur cette marque-là que j'ai choisi le pull, le suite, rose, parce qu'il y avait la large, il y avait Project X, il y avait Six June, mais il n'y avait rien qui avait vraiment de la gueule, c'était vraiment tout simple, et moi j'ai choisi un truc avec les trous, donc voilà, vraiment détaillé, avec des bons trous qui font bien destroyer tout. Là, une petite capuche, donc ça j'ai pris du... J'ai pris du S, il est très très léger, ça c'est plutôt cool. Il a l'air d'être proche du corps, avec voilà des poches. Les poches en plein milieu. Attendez, je vais essayer de vous le tenir. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, les poches en plein milieu, donc ça c'est plutôt cool. Et encore les effets destroy juste là. Donc ça, c'est vraiment stylé, avec un effet oversize. Arrondi, donc ça c'est vraiment très 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 cool et c'est quelque chose que je recherchais depuis pas mal de temps, cette originalité mais tout en restant dans le basique, que ce soit pas non plus extravagant de ouf. Et ça c'est vraiment 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 cool et j'ai vraiment hâte de l'essayer avec des tenues. Et puis voilà, c'est vraiment vraiment cool. Wow, c'est franchement, je suis assez content. À part la couleur, j'aurais mis un peu plus pas flashy forcément, mais un peu plus voyant, parce que le rose est assez pâle en fait. Le rose est très très pâle. Voilà. On va s'arrêter là, mes pépites de chocolat. Si vous ne voulez pas savoir les raisons du pourquoi je vais gueuler sur la boutique officielle, arrêtez-vous ici. Mettez des commentaires, la blinde de commentaires, parce que j'ai souffert pour cette commande. J'ai vraiment galéré à la recevoir pour vous, mes pépites de chocolat, et tout d'abord aussi pour moi, bien évidemment. Parce que bah, c'est ma commande, hein, 171 euros, c'était pour mon anniversaire, donc ça m'aurait vraiment fait chier que mes proches m'aient donné de l'argent et que ça soit foutu en l'air parce que bah, les personnes ne sont pas professionnelles. Et donc voilà, donc si vous voulez pas savoir les raisons, arrêtez-vous maintenant, ça sert à rien. Et puis mettez la dose de commentaires, ça fera super plaisir. Je vous mettrai tout dans la description. Venez sur le groupe Facebook Réception du Jour pour que vous mettiez vos photos, vous partagez votre passion aussi des vêtements avec nous. On est vraiment pas mal, on est 400 membres sur le groupe et il y a tout le monde qui met ses tenues, qui donne ses avis par rapport aux tenues, qui conseille, etc. C'est vraiment sympa et c'est un esprit familial, tout le monde se parle. Il n'y a pas de clash, ou s'il y a des clashs, je vire les personnes de toute façon, donc ça c'est clair, c'est moi qui gère ça seul. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème, et s'il y a des soucis, vous venez m'en parler. Venez sur mon Instagram, Clemento Valas, il y a vraiment plein de photos, pratiquement une dizaine toutes les semaines, donc ça c'est cool aussi. Et puis bah voilà, donc je vais donner mes raisons tout de suite pour la boutique officielle, et puis bah pour ceux qui s'arrêtent maintenant, je vous fais plein de gros bisous, pisse mes piles de chocolat, à bientôt.
avril, donc quelques temps après mon anniversaire qui a donc été le 24 avril. Et j'ai fait ma commande de base. Un truc qui m'a paru bizarre, c'est que une heure après, ma commande a été expédiée. Une heure après. D'accord, moi j'étais assez content et tout. Et en plus de ça, vu que j'avais commandé une commande de 71€, j'avais les frais de port offerts et un colissimo sous 48€. Vous voyez que déjà on est très très loin. On est vraiment très très loin. Donc voilà. Bon bah c'était parfait, ça rentrait dans les comptes. Et il s'avère que de 3 jours ça bougeait pas. J'avais mon suivi de commande dès le lendemain. Et il n'y avait rien. En plus j'avais pas de bol parce que ça tombait sur les jours fériés. Il y avait 3 jours fériés, après il y en a eu un encore cette semaine. C'était vraiment le bordel. Et alors au début j'appelle la boutique officielle. Je leur dis, bon, il y a un problème, là ça fait 3 jours, le machin, et tout. Hop, ok, j'appelle, une heure plus tard, le truc il bouge, boum boum boum. Hop. Après, j'appelle Colissimo parce que ça bouge plus. Ça rebouge plus. C'était juste en cours d'acheminement en fait, et ça rebouge plus. J'appelle Colissimo, en fait. Ah, mais non, mais faut rappeler l'expéditeur parce que nous, on n'a pas reçu de colis avec le numéro de commande. On sait qu'il y a une commande, qu'il y a un colis avec ce numéro-là, mais nous, on ne l'a pas eu. Alors, la boutique officielle m'explique que leur transporteur à eux, de chez eux, pour ramener à la poste, en fait, il avait une liste. Donc, une liste du 29 avril. Donc, vous voyez, ça s'est fait en 2 jours. Le lendemain de ma commande, il avait mis une liste et mon colis était dedans. Sauf que le mec a fait la moitié de sa liste. Donc les autres colis, en fait, ils sont battés les couilles. Genre, il s'est barré, le mec, hop, il a pas mis les autres colis. Donc tout cela, en gros, c'était tu l'as dans le cul et tu te casses. Hop, SCH, mon poteau, t'inquiète même pas. Donc moi, je commençais à bouillonner parce que moi, vous savez très bien que quand c'est une commande, c'est assez cher, même si c'est une commande tout court, ça devrait être plus professionnel que ça. On engage notre argent. Et notre argent et puis notre numéro de carte bancaire pour leur gueule. Et le problème, c'est qu'ils sont pas professionnels du tout pour le suivi. Donc c'est à dire que là, heureusement que je me suis bougé le cul et que j'ai appelé et j'ai vraiment forcé le truc, parce que sinon je l'aurais eu dans le popotin. Sincèrement, je sais même pas si je l'aurais reçu un jour. À un moment même, je me disais que je le recevrai jamais, c'est pas grave, je referai une commande. Et donc voilà. J'ai attendu, il me dit oui, alors si ça marche pas, on vous refait un remboursement et tout. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Les jours fériés arrivent, donc là on arrive sur la deuxième semaine. Moi je dis, bon écoutez, excusez-moi, mais il va falloir quand même que ça bouge et tout, parce que là c'est vraiment pas professionnel du tout, je suis très très mécontent. Je suis quelqu'un de très très chiant quand j'ai des commandes, donc ne vous inquiétez pas, je vous appellerai tous les jours, et ça, faites-moi confiance pour ça. Pas de souci, elle m'a dit ouais, vous inquiétez pas, on comprend, on est vraiment désolé. Le truc, c'est qu'il n'y a même pas eu de geste commercial après. Hein. Normalement, un truc comme ça, c'est pas à moi de le demander, il aurait dû avoir quelque chose. Bon, moi je suis pas assez prêt. Donc voilà. Et donc le suivi, en fait, ça a fait que ça a bougé de Rhône-et-Alpes. Après, il est arrivé chez moi, donc en Haute-Normandie. Le lendemain, il est réarrivé chez moi, donc je sais pas comment ils ont fait leur truc déjà, parce que 2 jours d'affilée, il arrive chez moi. Après, il part à Lyon, il part en Rhône-Alpes, il repart à Lyon, sauf que à Lyon, il est livré au centre postal. Donc là, on arrive à une semaine avant ce jour-là. Donc il est livré au centre postal. Donc le téléphone dit qu'est-ce que c'est que ce bordel, pourquoi il est livré au centre postal. Généralement quand c'est marqué livré au centre postal, c'est qu'il va s'arrêter, il n'y aura plus rien. Il me fait oh non. Et là il est renvoyé à l'expéditeur. J'ai fait mais attendez, le colis il a été 2 jours par chez moi. Qu'il y ait eu une demande pour que le colis soit réexpédié chez vous, je suis d'accord, mais s'il est à côté de chez moi, c'est quoi l'intérêt? Enfin, je veux dire, c'est complètement débile. Enfin, bref. De toute façon, je pouvais rien faire d'autre. Il est reparti. Après, plus de nouvelles. Et du 14 à maintenant, il n'y a plus aucune nouvelle. Alors, j'ai retéléphoné le 15. Et la meuf, elle me dit,
Oh oui, ne vous inquiétez pas, on a changé votre numéro de suivi. Ouais. Mais si on ne me dit pas, moi, qu'est-ce qui me dit que le. Enfin, qu'est-ce qui me dit que le colis, il est encore existant? Les gens, ils se permettent de prendre un numéro de colis sans me prévenir. Déjà, non, même si c'était pas téléphonique, mais au moins un email me prévenant que voilà, il y a un autre numéro tué. Bon, après, hop, ça a défilé et j'ai reçu mon colis. Là, je vous fais vraiment l'histoire en cours parce que le truc s'est fait pratiquement en un mois quand même. Donc, vous imaginez la tronche que j'ai tirée pendant les un mois. Ça a été assez. Hein, j'ai envie de vous dire, c'était chaud patate, hein. J'avais la haine contre Colissimo et surtout la boutique officielle contre le transporteur. Et j'ai fait passer le message d'ailleurs à la boutique officielle, à Manon, je crois qu'elle s'appelle, celle qui est dans le service téléphonique de la boutique officielle, Manon. Qui d'ailleurs, ça va, ne s'est pas trop énervée parce que j'étais chiant. Mais comment dire, j'avais prévenu Manon d'ailleurs que ce mec-là, fallait le virer. Hein, parce que c'est pas normal qu'il le mec, qu'il ait une liste, que ce soit son taf, qu'il ait une liste pour un jour. Et que le mec qui fasse la moitié puis qui se casse manger son kebab ou je sais pas quoi, hein. C'est pas normal du tout, ça, hein. Je suis désolé. Et après ça fout une merde pas possible. C'est-à-dire que même, alors attention, hein, parce que la peste de chez moi, ils ont plein de petits jeunes maintenant qui travaillent et tout, c'est super sympa d'ailleurs. Hein. Ils ont plein de jeunes. C'est-à-dire que même rien qu'avec mon nom. Et normalement ils ne devraient pas me connaître. Ma mère est descendue ce matin. Elle a pris son courrier de d'habitude, quoi. Il n'y avait pas encore le colis. Et la meuf, oui, ne vous inquiétez pas, le colis de votre fils, il va arriver cet après-midi avant 14h, ne vous inquiétez pas et tout. Alors ma mère, elle a dit, il a dû avoir du remue-ménage, porte à tronche encore, parce que Lyon, ça devait pas être joli, hein. Parce que ouais, j'ai gueulé, c'était pas normal. Et moi, comme je suis chiant, bah voilà, au moins je le fais savoir et il faut pas. Pas lésiner, je veux dire, on est client, on est roi entre guillemets, ça c'est la phrase cliché, mais je veux dire, on engage de la thune et c'est virtuel, donc c'est carrément dangereux entre guillemets parce qu'on a les numéros de carte bancaire et on peut se les faire niquer. Et en plus, là, l'argent était pris, mon colis était barré, mais je savais pas où, je savais pas quand est-ce que j'allais le recevoir, donc c'était ça le problème. Donc voilà mes pépites de chocolat, c'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui, et puis. Et ben voilà, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a plein mal de vidéos. Là, il y a la coiffure de Justin Bieber, comment la faire, qui arrivera bientôt. Il y a un lookbook 2.0 qui arrivera aussi bientôt, qui est pas trop travaillé parce que j'avais pas le roll time et je l'avais envoyé direct sur YouTube. Mais elle est quand même stylée. Il y a des putains de belles tenues. Il y a 5 tenues, je crois. Ils sont vraiment stylés de ouf. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Va y avoir un tag avec ma chérie qu'on tournera samedi là et qu'on mettra je ne sais pas quand. Il y a un swap Six June pour les objets que j'ai reçus de leur site. Il y a une wishlist aussi. Et puis il y aura forcément un petit lookbook sur les vêtements d'aujourd'hui. Donc voilà mes pépites de chocolat. J'espère que ça vous a pas trop fait chier, ma petite parlotte. Et puis je vous fais des gros gros bisous. Likez et commandez un blind pour la boutique officielle. J'aimerais un hashtag c'est honteux. Hashtag c'est honteux la boutique officielle. Donc voilà, ce serait vraiment sympa que vous mettiez ça en hashtag dans les commentaires pour qu'ils voient au moins que il n'y a pas que moi qui ai eu des problèmes parce que tout le monde se plaint à chaque fois. Quand ils commandent chez la boutique officielle, il y a des problèmes au niveau de Colissimo, de la poste, c'est toujours la merde totale. Alors que sur les autres sites, c'est les mêmes transporteurs et il n'y a jamais aucun problème. Donc c'est vraiment pas normal, c'est pas professionnel du tout. Je suis très très mécontent. Là c'est bien parce que j'ai reçu mes colis, mais sinon voilà, c'est vraiment très bof de leur part. Donc oh oui, j'oubliais. Celui-ci c'est 59 euros. Donc voilà. Pour le suite VIP Closing. Donc voilà mes pupilles de chocolat. Lâchez plein de commentaires. Commentez. Likez en blinde. Et puis je vous fais des gros gros bisous. À la semaine prochaine. Peace! Mais pas sur moi. Vraiment que j'arrête avec cette phrase de merde.